Aujourd'hui, nous avons souhaité célébrer un cap important pour l'île, pour notre île. C'est le passage de 160 000 chauffe-eau solaires installés à La Réunion. Aujourd'hui, il y a des clients qui ont fait le choix du chauffe-eau solaire pour faire des économies d'énergie. Il y a 65 000 clients du coup, qui ont fait ce choix-là. Et on a célébré un des derniers clients qui a installé un chauffe-eau solaire. Alors, un chauffe-eau solaire, le prix moyen constaté est autour de 2 500 €. Aujourd'hui, EDF a souhaité faciliter l'accès à un chauffe-eau solaire parce que ça permet vraiment de faire des économies d'énergie. C'est jusqu'à 40% de sa facture qui est économisée. EDF donne des aides qui peuvent aller jusqu'à 1 200 € pour s'équiper d'un chauffe-eau solaire. Donc ça peut représenter notre aide jusqu'à la moitié du prix d'un chauffe-eau solaire. Il y a d'autres dispositifs qui existent. Il y a déjà le crédit d'impôt de 30%, donc cumulable avec l'aide d'EDF. Et puis pour les ménages qui ont des revenus modestes en situation de précarité, on a un partenariat avec la région pour que le chauffe-eau solaire soit gratuit pour ces ménages.